nous avons pu observer, notamment lors du Grenelle sur les violences faites aux femmes, qu'il y avait un besoin, évidemment, d'exfiltrer les femmes victimes de violences, c'est la première étape. Mais ensuite, il y a un parcours de reconstruction à faire, retrouver de l'estime de soi, trouver de l'emploi, retrouver de la confiance, c'est être aidé socialement, financièrement, etc. Il faut des travailleurs sociaux, des accompagnants, des médecins, qui puissent être à disposition, et c'est tout l'enjeu. Nous ne le réussirons pas seuls, c'est un projet que nous allons conduire en partenariat avec des associations comme le Planning Familial, comme l'association AVEC, qui sont nos partenaires depuis longtemps sur ces questions. Vous avez vu qu'à Clermont-Ferrand, comme ailleurs, les femmes sont victimes de violences. Les deux grands événements de ces derniers mois, le suicide de ce monsieur après avoir tiré sur son ex-compagne, l'affaire qui a coûté la vie à des gendarmes dans le département, montrent que les violences intrafamiliales sont en train d'exploser, à Clermont comme ailleurs. C'est le devoir des pouvoirs publics de trouver des solutions et d'essayer, dans nos responsabilités, de garantir la sécurité des Clermontois et des Clermontoises.